Questionnée par les journalistes du journal Le Figaro sur les coulisses de son nouvelle enquête, Élise Lucet. La présentatrice de Cash Investigation a aussi partagé son avis sur une démesure du président de la République Emmanuel Macron. Pour rappel, le chef de l'État avait indiqué en mars dernier qu'il souhaiterait supprimer la redevance audiovisuelle. Un projet concernant lequel Élise Lucet a émis quelques réserves. Redevance ou pas, il faut que nous ayons les garanties fortes que l'indépendance est préservée, et qu'il n'y aura aucune tentative d'intrusion dans les lignes éditoriales. C'est d'abord justifié Élise Lucet. Avant de poursuivre que plusieurs candidats disent que c'est un impôt qui n'a plus lieu d'être, pourquoi pas? Mais qu'en est-il de notre indépendance? Il faut à la fois être confiant mais aussi extrêmement vigilant. Toutefois, si cette mesure est effectivement mise en place, la journaliste de France Télévisions n'a pas peur que son programme soit impacté par ce changement. Point. Si on essaie de toucher à nos lignes éditoriales, les citoyens le sauront, ne seront pas contents et ils le diront, a-t-elle ajouté, mentionnant ensuite. Les Français sont nos meilleurs alliés parce qu'ils ont envie d'une information indépendante. En janvier dernier, Élise Lucet présentait un nouveau numéro de Cash Investigation portant sur la santé. Un sujet pour lequel cette dernière avait invité l'actuel ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Sauf que, comme elle l'avait évoqué dans l'émission Culture Média, le politique avait refusé son invitation car l'émission n'était pas diffusée en direct. Face à ce refus, Élise Lucet avait alors remis une couche sur son compte Twitter. Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cash, il n'y avait pas de direct dans l'émission, avait-elle écrit. Citant un tweet de l'émission Cash Investigation sur lequel il était mentionné. Nous avons sollicité le ministre de la Santé Olivier Véran et son équipe de communication pendant 6 mois, qui ont refusé de nous répondre. Nous leur avons expliqué que depuis la création de Cash, il n'y avait pas de direct dans l'émission. Beaucoup voient en elle une journaliste d'investigation intransigeante. A contrario, son nom fait trembler certains politiques et grands patrons, car il est souvent associé à Cash Investigation, magazine d'enquête qu'elle présente. Elle, c'est Élise Lucet, dont le visage fait partie du paysage audiovisuel. Les sondages révèlent qu'elle est l'une des animatrices préférées des Français. Selon elle, le téléspectateur doit se faire sa propre idée avec l'information la plus transparente qu'on lui communique. En lisant ces lignes, vous vous imaginez certainement un cursus de jeune fille studieuse passée par les étapes classiques du journalisme. Il n'en est rien. À travers cette biographie d'Élise Lucet, celle qui ose revient sur le parcours atypique de cette femme déterminée.